Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournoi des Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour un nouveau tirage de cristaux. Cette fois-ci, comme vous voyez à l'écran, il s'agit des cristaux liés aux arènes des années passées, donc qui sont déroulées fin décembre 2019, début janvier 2020, donc sur MCOC. Là, c'était l'arène dédiée aux champions de 2017, donc l'arène 5 étoiles. Je vous rappelle que c'était un top 400. Je suis allé chercher la 150e place avec 30 millions de points. Ce ne sont pas des arènes qui sont très bataillées, hein, dans la mesure où c'est un tirage aléatoire. On a un champion parmi une sélection, donc la sélection des champions sortis en 2017 pour cette arène-là. Et donc, comme vous voyez à l'écran, il y avait du beau monde. On commençait à avoir des bons millésimes, des même très bons millésimes, avec des personnages comme Angela, Archangel, Blade, qui est encore d'actualité, Cable, Carnage, qui a été rework, Docteur Octopus, qui arrive à bloquer le soin, bloquer le pouvoir, Dormammu, qui reste encore maintenant un challenger, ou un bon défenseur, en tout cas, en garde alliance, quand il est monté à très haut niveau de sa compétence spéciale et à très haut rang, Bouffon Vert, Gwenpool, qui a longtemps été l'un des meilleurs virtuoses, mais qui a été dépassé depuis, et là, que j'ai toujours moyennement apprécié, même si elle avait un système de furie assez pété au départ, mais qui a été corrigé par la suite, il me semble. Iceman, donc qui fait partie de mes champions 5 étoiles R5. Roi Groot, voilà. Le Kaïd Modok, qui reste aussi un champion qui peut être assez désagréable en défense de garde alliance. Medusa, qui est longtemps resté la déesse des anti-robots, donc qui arrivait à bloquer toutes les compétences des robots quand elle arrivait à infliger une armure pulvérisée. Mephisto, Morningstar, un très bon champion pour contrer... Mephisto aussi était pas mauvais ceci dit. Morningstar, très bon champion pour contrer les héros, enfin tous les champions à buff. Nebula, Psylocke, Punisher 2099, c'est peut-être l'un des plus mauvais persos de ce millésime 2017. Speedy Stark, Starkey... celui que je n'ai jamais récupéré, donc là, voilà, qui est excellent comme champion tech. Taskmaster, un champion mal aimé qui mériterait d'être un peu plus simple à monter en puissance et qui pourrait se révéler être un top champion virtuel s'il n'était pas si compliqué dans la mise en place de ses compétences et de son potentiel de dégâts. The Hood, très bon champion, surtout quand il rentre en synergie avec la guêpe et Ghost, et le fantôme, enfin Fantomette pour certains et certaines. Thor Ragnarok, longtemps a été l'un des champions avec le plus gros prestige. À côté de ça, à part quand il est éveillé, ce n'est pas vraiment un champion qui vaut le détour. Le Vautour, qui peut avoir de bonnes utilités, mais en de rares occasions. Et Yondu également, qui était présent dans ce millésime 2017. Donc évidemment, il y a des champions que j'aimerais plus récupérer que d'autres, vous vous en doutez bien. Là, du coup, j'en suis amené, je crois que c'est l'épisode 72, hein, de mon tirage de cristaux de héros 5 étoiles, parce que là, je vous le rappelle, j'ai un héros 5 étoiles garanti. Il y a certains champions que j'aimerais récupérer, comme vous le savez certainement. Encore une fois, un miracle d'ergonomie, Kabam, je le dis à chaque fois presque maintenant. Il ne pouvait pas faire un filtre en fait, il y a des filtres sur les autres types de listes. Il n'y avait pas moyen de faire un filtre ici, en haut, en bas à droite de l'écran. On peut filtrer par rareté, par puissance, par machin. Bah là, on ne pouvait pas par exemple filtrer par quantité et par date de récupération des cristaux. Non, c'était pas possible, vous voyez, des sortes de filtres comme ça. Bon, j'espère qu'ils y ont pensé. Ils ont peut-être déjà pensé, ils se sont rendus compte que c'était pas possible à faire. Toujours est-il que c'est super chiant, toujours de se retrouver à essayer de chercher ces cristaux gagnés, rudement gagnés à la sueur de ses pouces. Là, pour vous résumer, j'avais fait un peu plus de 500 séries, j'étais arrivé encore une fois à 30 millions. Je ne recharge pas mes champions, je ne veux pas dépenser d'unité sur ce genre d'épreuve, ça ne vaut pas le coup. Mais je suis toujours, c'est toujours agréable de récupérer un champion, alors peut-être un nouveau, peut-être un éveil. Allez savoir, allez les amis, rien ne va plus. C'est parti pour ce tirage donc, qui se réfère à l'épisode 72 de ma série d'ouverture de champions 5 étoiles. Je vois défiler à l'écran tous les champions, je regarde, oui, je vois les intéressés, je vois ceux qui me hyperaient au plus haut point. Allez mesdames et messieurs, les jeux sont faits, rien ne va plus, je viens de presser l'écran, l'algorithme a déjà fait son choix.
et il va me donner. La tension est à son comble. Un Modok. Ah, pas mal, je ne l'avais pas, il trouve être assez chiatique. Alors je pense qu'on en a déjà suffisamment en défense de garde d'alliance, mais je n'avais pas Modok, et ça c'est une belle addition à mon roster. J'aime bien ce champion, ce Modok. Il a surtout son système de flux là qui est un peu cryptique, mais il faut savoir le jouer hein, quand il est en défense de garde d'alliance, mais il peut s'avérer assez coton. Après, je vous cache pas que j'aimerais peut-être l'éveiller, mais c'est quand même une très belle arrivée dans mon roster. Donc voilà, il a ce système de flux, de champ de force, il a incinération, saignement, il a beaucoup de synergie également. Bon, c'est une synergie qui date un petit peu, hein. On commençait à avoir en 2017 les synergies uniques. Donc vous voyez, il avait notamment une bonne synergie avec le Taskmaster. Maintenant, le Taskmaster, je ne l'ai pas malheureusement en 5 étoiles. Il a aussi des synergies avec les Ultrons. Donc le Ultron classique et le Ultron du MCU, donc effectue un coup critique suite à 5 attaques au lieu de 7, où il a ce système d'attaque critique qu'il déclenche tous les 7 coups dans son compteur de combo, et ben là c'est réduit à 5 quand il est associé à l'un de ces deux Ultrons. Sinon pour les Ultrons c'est plus 115 de dégâts critiques, c'est pas anecdotique, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà pour la récupération de mon champion de l'épisode 72, mais n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez de ce champion, de ce tirage. Les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas également à mettre le rating que vous souhaitez, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous rappelle, n'oubliez pas de cocher cette petite cloche, sinon vous ne saurez pas quand je publie des nouvelles vidéos, quand je suis en live. Vous me retrouverez très bientôt en live sur ma chaîne YouTube, sur MCOC. J'en profite pendant les vacances, hein, ça sera plus, j'aurai plus le même rythme. Évidemment, quand j'aurai repris le travail, je reprendrai un rythme beaucoup plus posé, beaucoup plus modéré. Mais en tout cas, pour le moment, je profite de ce qui est bon, je profite de mes disponibilités, de mon temps de jeu. Donc n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'actualité. Je vous souhaite de très belles openings les amis, bon courage pour ceux qui gagnent les arènes. Encore une fois, mes meilleurs voeux pour 2020, pour cette année qui débute. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, à bientôt, peace.